Si je vois la Joconde en écrivant tableau, la vidéo s'arrête et je dois le faire sur Google Images. Salut à tous, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau défi que je trouve très ingénieux. Franchement, vous arrivez à trouver des défis de fou. Franchement, GG, merci à vous. C'est grâce à vous que je peux faire plein de vidéos, vous me donnez des idées et moi je les fais et ça c'est cool. Tableau sur Google Images et absolument pas. Sachant qu'on est là sur le tableau, bien évidemment, le plus connu au monde, je crois, je dois en connaître une dizaine maximum, et celui-là, c'est sûr que je le connais, et je pense que vous aussi. Donc on va descendre tranquillement, je vais activer le défilement automatique, parce que j'adore, ça me permet de plus rien faire, en fait, j'ai plus rien à faire, j'ai plus besoin de rien faire, et ça descend tout seul. Pour l'instant, on a beaucoup de tableaux qui sont très colorés, mais pas de Joconde, sachant que la Joconde, c'est plutôt des couleurs assez foncées, on va dire. Hein ? Non, toujours pas. Bah écoutez, on va descendre beaucoup plus vite. C'est parti. On va essayer de la trouver. Un beau tableau Louis Vuitton ici. Mais ce n'est pas ça qu'on recherche. Toujours rien. Toujours rien. C'est impressionnant. Il y a des images qui ne s'affichent pas même. C'était où ? Il y a un tableau électrique ici. C'est n'importe quoi. Et la Joconde. Et la Joconde. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils en font rien. Ils s'en foutent complet. C'est le tableau le plus célèbre du monde. Ils sont obligés de le mettre. Il va tomber un moment. Gardons espoir. Putain, regardez, il y a ce tableau-là, mais il n'y a pas la Joconde. C'est incroyable. Elle est où ? Elle est là !